Bonjour, je suis Louisette Langlois, maire sortante de la ville de Chandler. Chères citoyennes, chers citoyens de Newport, de Pabot Mills, de Chandler, de Pabot, de Saint-François, je sollicite devant vous aujourd'hui un troisième mandat à la mairie pour continuer à vous servir, à développer et pour aller ensemble encore plus loin. Il y a 8 ans, vous m'avez donné la chance de faire mes preuves. En 2013, vous m'avez donné un second mandat. Et encore aujourd'hui, je vous demande de me faire confiance pour un troisième mandat me permettant de terminer de grands projets. Je garde encore cette fébrilité du débutant et ce grand désir de continuer et progresser avec vous afin que notre milieu se développe davantage dans l'intérêt de tous. Durant ces 8 dernières années, beaucoup de changements ont eu lieu, et ce, pour le meilleur de nos 5 quartiers. Nous sommes passés d'une économie mono-industrielle à une économie plus diversifiée et donc plus sécuritaire à long terme. En tout premier lieu, la ville s'est fait une beauté. Et cette beauté, c'est d'abord pour vous que nous l'avons fait, et ensuite pour intéresser d'autres personnes à s'établir chez nous. En ce sens, nous avons un plus grand partage des dépenses reliées à nos obligations et plus de gens pour nos offres commerciales. En 2010, pour bien structurer notre développement, nous nous étions donné un plan de travail afin de s'assurer un développement logique et pour ne pas perdre de vue ce que nous avons choisi de prioriser dans nos actions. En 2017, nous avons ajouté le bioalimentaire puisque nous avons à Newport 2 industries bioalimentaires de grande qualité qui vendent leurs produits sur le marché national et international. Nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, nous pouvons dire, mission accomplie, nous avons réussi. Ces 4 dernières années, nous avons à notre compte de belles réalisations. Entre autres, Nova Lumina, l'amélioration de la gare et son environnement, un don de terrain pour la construction d'un édifice de 30 appartements pour le bonheur de nos aînés. Ayant des terrains disponibles, nous avons fait un don d'un terrain au club de golf pour un terrain de pratique pour leur donner la chance d'améliorer leur rentabilité. Ces gens-là travaillent très fort. Le gouvernement du Québec a bonifié notre centre d'appel Revenu Québec de 30 nouveaux postes avec de bons salaires et de bonnes conditions de travail. Nous avons prolongé notre parc industriel pour permettre à d'autres petites entreprises de s'y installer. 2 jeunes artistes ont peint des fresques sur le grand garage. Les fêtes du centenaire qui ont été, grâce à une magnifique équipe, un grand succès. La prise en charge du site La Bolduc pour renouveler le concept et nous assurer de sa mémoire. L'élaboration d'un plan moderne pour le centre sportif de Newport et 1,7 million en subvention pour la mise aux normes de notre aréna. Chers citoyens, il y a encore tellement à faire. Nous avons plusieurs dossiers sur la planche à dessin. Un centre sportif moderne à Newport. Le développement touristique à poursuivre à Newport. Un labyrinthe sur l'ancien terrain de Gaspésia. D'autres projets de développement touristique dans le secteur du circuit des bâtisseurs. L'acquisition et le développement du port de mer. Le développement économique et industriel. La réalisation d'un nouveau concept Madame Bolduc. L'amélioration de nos infrastructures. La construction d'un garage municipal plus adapté à nos employés et aux besoins de nos 5 quartiers. Pour concrétiser ces projets au cours des 4 prochaines années, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre support, votre confiance et bien sûr votre vote. Il y a 8 ans, je vous ai fait la promesse d'une ville dont nous deviendrons fiers. Je vous fais la même promesse d'une continuité pour les 4 prochaines années. Chères citoyennes, chers citoyens, ensemble, plus fort, plus loin. Le 5 novembre prochain, votez massivement pour une personne formée, expérimentée et surtout déterminée à réaliser nos plus beaux rêves. Merci de tout cœur pour votre support, votre patience, votre présence et votre écoute. Merci. Alors, j'aimerais souhaiter bonsoir aux gens de la grande ville de Chandler. Il me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter quelques points importants pour la campagne électorale. Évidemment, je me présentais pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Gilles Darèche. Je suis de profession éducateur spécialisé
Et en politique municipale, j'ai une douzaine d'années d'expérience, dans 4 ans comme maire de Saint-François-de-Pabot, 4 ans comme conseiller à la ville de Port-Daniel et Gascon, et 4 ans, les 4 dernières années, à la ville de Chandler. Évidemment, les 4 dernières années à la ville de Chandler m'ont permis de mieux connaître les dossiers et de m'adapter, évidemment, au déroulement de tout ça. Pourquoi je suis là? C'est parce que je pense que je vais offrir à la population mon honnêteté, ma transparence, également ma façon de faire. J'ai la qualité de rassembleur. La première qualité dont un maire doit avoir, c'est d'être un rassembleur. Et je pense que cette qualité-là fait partie de moi. J'ai toujours été comme ça. Donc, ce qui est important dans le prochain mandat, il va y avoir des dossiers extrêmement importants à régler et à regarder, mais en arrivant. Et mettre sur la table, là, sérieusement. Exemple, le quai de Chandler. L'aréna de Newport. La Bolduc à Newport également. La sécurité de nos gens dans les petites routes comme Saint-François-de-Pabot et Pabot Mills. On fait quoi avec ça? Je pense qu'il y a des choses à faire pour sécuriser notre population. On a dans ces petites routes-là le minimum d'asphaltage possible. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. On a déjà commencé avec la route Leblanc. Il faut terminer la route Leblanc et amener ce projet-là un peu plus loin dans les autres secteurs également. Évidemment, je m'engage à diminuer les frais d'avocats payés en surplus qu'on n'a pas besoin de payer. Évidemment, si on travaille en harmonie, si on travaille main dans la main, je pense que on peut éviter bien des chicanes et bien des frais inutiles. Évidemment, on pense aussi aux jeunes familles qui viennent s'établir chez nous. On invite les jeunes familles à s'établir chez nous, donc on continue à développer et à supporter nos volumineux, exemple, qui est un incontournable maintenant à Chandler. Il y a 400 à 500 personnes qui s'arrêtent par jour l'été à Chandler, à nos volumineux, donc il faut continuer à supporter ça. Développer le secteur du chenail, embellir le centre-ville, mais embellir également les quartiers. Les quartiers, chaque quartier doit aller chercher du sien dans la ville de Chandler. On a fusionné en 99-2000 pour être ensemble, donc il faut donner un peu à chaque quartier. Chaque quartier a le droit d'avoir sa part, ce qui n'a pas été le cas, je pense, dans les dernières années. Et je m'engage personnellement à le faire. Évidemment, il y a un dossier aussi que je veux frapper en arrivant, c'est la réglementation. Notre réglementation à la ville de Chandler est extrêmement rigide. Pas de possibilité, pas de flexibilité. Évidemment, dans une grande ville comme la nôtre, ça prend toujours une réglementation. Sinon, on va faire les affaires tout croche et n'importe quelle façon. Donc, ça prend une réglementation. Mais moi, je pense que pour le contribuable, il faut avoir une certaine flexibilité. Comme par exemple, je vais nommer les abris tempo. Je veux m'en occuper en arrivant. Je pense qu'on a besoin dans ce dossier-là, d'une certaine flexibilité. Puis, je pense qu'on l'a pas fait. Et pour finir, ben je pense que l'élection du 5 novembre va peut-être déterminer un vent de changement, j'espère. Moi, je m'engage à être présent, très présent dans la population, à répondre aux besoins des contribuables, des gens. Dans la fin du mandat précédent qui vient de finir, on a fait des embauches importantes où il y a des montants d'argent importants qui vont être sur la table. Et je pense que si on continue à engager des gens, embaucher des gens à 100 000 $ et plus, on ne peut pas faire autrement qu'avoir un impact sur le compte de taxes des gens et je pense qu'on est à la limite d'être capable de payer. Il faut faire attention aux contribuables. La capacité de payer du contribuable, il faut s'attarder à ça puis faire attention à ça. Donc, je vous invite le 5 novembre prochain à venir voter, à venir nous rencontrer, puis le 29 octobre et aussi le vote par anticipation dans vos secteurs. Puis je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonjour, je me présente Bruno-Pierre Godbout. Je me présente comme conseiller à Chandler dans le district numéro 1, c'est-à-dire à Newport. J'ai 28 ans. J'ai un fils âgé de 6 ans qui fréquente l'école Sacré-Cœur de Newport. Je travaille au CIS de la Gaspésie depuis 9 ans. Je suis thérapeute en réadaptation physique. Je travaille dans le domaine de la physiothérapie. Je fais des soins à domicile auprès des personnes âgées. J'effectue également des tâches administratives. Je suis chargé de projet, formateur et pilote du réseau de services intégrés pour les personnes âgées. Je suis un jeune notamment impliqué dans son milieu, autant du côté sportif, culturel que professionnel. Je suis notamment membre de l'ADG Newport qui redonne énormément aux jeunes de la communauté. Pourquoi je me présente à la politique? Mais la réponse est simple. C'est le désir de changement. Je veux faire la politique autrement. Je veux qu'on cesse les chicanes et les guerres de clochers. Et je veux ramener un climat de quiétude au conseil municipal.
Je vais également vous présenter quelques-uns de mes engagements prioritaires de ma campagne électorale. Tout d'abord, les plages. Je crois qu'il est temps qu'on voit au développement et à l'aménagement de nos plages. Je veux tout d'abord voir au nettoyage et à des corvées citoyennes aux besoins. Je veux qu'on installe des palapasses, des tables de pique-nique, des poubelles sur les plages. Je veux voir à l'embauche de sauveteurs pour améliorer la sécurité de celle-ci. Je veux voir à la construction d'un bloc sanitaire incluant des toilettes, des douches et des arrosoirs extérieurs pour les pieds. Je veux qu'on crée une ambiance chaleureuse avec musique, des sports comme le volleyball, l'ultimate frisbee, le fer, la pétanque, le washer et des sports nautiques comme le sidou, les kayaks et le paddleboard. Un autre dossier à Newport qui me tient très à cœur, c'est l'Arena Newport. Pour ceux qui me connaissent, j'étais sur le comité de sauvegarde, le comité d'optimisation de l'Arena Newport. Par contre, le conseil municipal a décidé de fermer l'Arena il y a une couple d'années. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant et éviter d'avoir un éléphant blanc dans notre quartier qui avait été payé et construit par les citoyens de Newport avant la fusion. C'est pour ce faire que je me positionne en faveur de la construction et la création d'un complexe sportif à l'Arena Newport. Et qui de mieux que moi, avec mon expérience et mon implication sportive, pour défendre et pousser le dossier auprès des instances gouvernementales. Un autre dossier important à Newport, un dossier chaud, c'est le site de la Bolduc. Je m'engage et je crois à la réouverture du site dès l'été 2018. Il y a une chargée de projet, Mme Nathalie Lacasse, qui a été engagée il y a quelques semaines, et je m'engage à la rencontrer et l'appuyer dans ses démarches. Je veux la création d'un projet innovateur et rassembleur qui créera un sentiment d'appartenance pour les citoyens de Newport. Je veux finir en vous disant que je suis très fier de la campagne que je mène jusqu'à maintenant. Une campagne qui me représente, à mon image, dynamique, énergique, sur le terrain, en rencontrant et en consultant les citoyens. Je suis d'autant plus fier parce qu'au début de la campagne, j'étais le jeune que peu connaissaient. Maintenant, je suis le petit gars debout pour qui les citoyens veulent voter et le 5 novembre prochain, je serai votre futur conseiller. Mon slogan, un vent de changement, de jeunesse et d'innovation. Le 29 octobre prochain, vote par anticipation et le 5 novembre prochain, dans le quartier Newport, on vote Bruno-Pierre Godbout. Merci. Je suis Richard Duguay, le conseiller municipal dans le quartier Chandler-Est depuis avril 2016 et candidat au même poste pour les élections du 5 novembre. Ma ville, je la connais. Mes concitoyennes et mes concitoyens, je les connais. Les gens de mon quartier, je les connais et ils me connaissent. Ils savent que je vais au bout des choses. Depuis 18 mois, ils me font confiance et je ne les décevrai pas. Qu'ils me téléphonent, m'écrivent par Facebook ou autrement, ils ont droit à une visite le jour même ou le lendemain. C'est une façon de faire que je me suis donnée et que je continuerai. Avec moi, ça marche. Je travaille au niveau du développement économique pour la MRC depuis plus de 10 ans. Je reconnais aussi l'importance que la MRC peut avoir dans le développement de notre ville et l'importance que notre ville doit avoir dans le développement de la MRC. Je sais ce que la ville peut faire et doit faire pour attirer et garder des entreprises et des emplois ici. Je sais que, pour que ça marche, la ville devra s'entourer des bons partenaires. Les intervenants, les entrepreneurs et les fonctionnaires, je les connais. Et autant que possible, je tente de faire bénéficier la ville de mon réseau professionnel, pour les projets de la ville et pour les projets des entreprises de la ville. Être à l'affût des nouvelles tendances, pratiques et technologies, un taux de taxation raisonnable, des activités intéressantes pour les employés et leurs familles, un accès à un terrain avec service, la création de noyaux d'affaires, comme dans le parc industriel et dans le centre de services partagés, une infrastructure de transport facilitant le commerce, des employés municipaux au service du développement. Voilà ce qu'il faut faire. Le développement, je sais comment ça marche. J'ai été le directeur général de la ville de Bonaventure. J'ai vu les deux côtés, du point de vue des employés et du point de vue du conseiller municipal. Je sais ce qu'une ville est capable de faire, ce qu'elle n'est pas capable de faire seule et de qui elle doit s'entourer pour réussir. Une ville, je sais comment ça marche. Je suis bachelier en administration et j'ai aussi étudié en droit. Les lois, les règlements, le financement et la gestion n'ont plus de secret pour moi. Vous en avez eu la preuve depuis 18 mois et avec le budget 2017. Hausse des taxes de 1,1%, le même niveau que l'indice des prix à la consommation. Même le maire de Québec voudrait nous copier. Faire en sorte que vos taxes vous reviennent en service direct et en développement, c'est ma mission. C'est d'ailleurs dans cette optique que la Ville a récemment embauché un directeur des travaux publics doté d'une formation d'ingénieur. La saine gestion, je sais comment ça marche. Je suis natif de Chandler et j'habite le quartier de Pabot. Je suis de retour dans la région depuis 2007, où je me suis installé après mes études avec ma femme Sylvie et mes deux fils Victor et Caleb.
Je suis un gars de famille et j'ai choisi de revenir dans ma ville natale parce que j'ai vu son potentiel extraordinaire et que je sais que c'est le meilleur endroit pour établir ma famille. L'ayant fait moi-même et étant membre du fondateur du comité d'accueil des nouveaux arrivants, nous pouvons notamment compter sur l'équipe du SANA pour nous aider à attirer et à retenir chez nous des familles. Contrer la baisse démographique, je sais comment ça marche. Mon objectif principal est de faire en sorte que nos enfants veuillent demeurer dans leur ville natale, à leur tour. C'est pour cette raison que je me suis engagé en politique municipale. Je travaille à rendre notre ville meilleure pour eux, pour nous tous. Nouveaux sports, nouvelles activités, nouveaux commerces, environnement et nature omniprésents. C'est la base de ma stratégie. Et à chaque décision, je me demande, est-ce que des personnes à la retraite, comme mes parents et les personnes âgées de mon entourage, vont pouvoir payer ces projets que l'on veut développer, ces décisions que l'on prend? L'équilibre entre le développement et la capacité de payer des gens, je sais comment ça marche. Et mon rôle de père fait que ma ville, je l'utilise tous les jours. Je marche sur les trottoirs, je vais à la piscine, je vais dans les parcs, dans les sentiers, à la bibliothèque, je vais dans nos commerces et je roule dans les rues. Et à chaque fois, je garde l'œil ouvert et je me demande comment on pourrait faire encore les choses encore mieux. Et s'améliorer, je sais comment ça marche. Je suis commissaire scolaire pour le secteur de Grande-Rivière à Chandler depuis 2014. Les intervenants scolaires, je les connais et ils me connaissent. Et je reconnais l'importance de l'éducation dans notre ville et l'importance pour nos enfants et nos petits-enfants d'avoir accès à l'enseignement. Quand je siège à la commission scolaire, je suis toujours à l'affût de ce qui pourrait bénéficier à notre place. Garder nos écoles ouvertes, intéressantes, en bon état et bien équipées, actives dans leur communauté, c'est ce que je fais depuis 3 ans. Et l'éducation, je sais comment ça marche. Des pas de géant ont été faits dans les dernières années. Démolition de la Gaspésia, arrivée de Nova Lumina, 100e anniversaire de Chandler, développement du parc industriel, transition économique et redressement des finances de la ville. Mais le travail à faire reste encore énorme. Je suis Richard Duguay et vous savez maintenant comment je marche et vers où je veux orienter notre quartier. Au cours de mon prochain mandat, je vous invite à marcher avec moi, à faire avancer notre beau quartier, notre magnifique ville. Le 5 novembre, votez pour un conseiller actif dans un quartier vivant, dans une ville qui avance. Votez pour quelqu'un qui fait avancer les dossiers et qui sait comment ça marche. Votez Richard Duguay. Merci. Alors bonjour, chers citoyens, citoyennes. Mon nom, c'est Pierre-Luc Arsenault. Je me présente comme conseiller dans le district de Pabot pour la municipalité de Chandler. Donc, une brève présentation. Je viens de Petit Pabot, okay, comme on appelle Petit Pabot. Je suis parti aux études en 2000 pour revenir en région en 2008. Fait que je suis revenu en région un peu parce que je travaillais pour Hydro-Québec dans le temps. Puis j'ai démissionné pour revenir en région parce que je sentais que là, il y avait un certain appel au niveau de la relance de notre secteur, de notre territoire. Je suis revenu en 2008 pour le lancement du Technocentre à Chandler, qui est situé dans les bureaux de l'ancienne 15. Je me suis lancé comme formateur en réinsertion socio-professionnelle au niveau des jeunes dans le besoin. Puis depuis ce temps-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui revenaient, puis on s'était fait dire dans notre temps, en fait, qu'il n'y avait rien dans la région, il fallait qu'on s'en aille à l'extérieur. Mais on s'est rendu compte que c'était plus vrai. La Gaspésie avait fermé, puis on sentait un certain renouveau, un certain dynamisme au niveau de la population. Les jeunes voulaient revenir, les familles, on s'est dit pourquoi pas. Fait que je suis revenu en 2008, puis finalement j'ai fondé une famille en Gaspésie, dans mon patelin, Chandler. Puis j'ai décidé de me lancer en politique municipale. Ça fait une couple d'années que j'attendais qu'il n'y a pas personne qui se présente, mais là, il y a tout le temps quelqu'un qui se présentait. Fait que finalement, j'ai dit, tiens, m'essayer pour les élections de 2017. Comme conseiller, je suis déjà impliqué là au niveau de la ville, soit pour le comité d'embellissement et d'urbanisme, qu'on a d'ailleurs eu une très belle rencontre samedi dernier pour la revitalisation de la ville, des secteurs. Il y a certaines parties aussi qu'on travaille là, par exemple la zone scolaire, la promotion de nos plages, la promotion de nos attraits naturels aussi. Là, c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire valoir parce que ce qu'on a à faire valoir, c'est notre unicité, donc nos cachets naturels, ce qui est souvent pas le cas quand on parle souvent de régions dévitalisées, de régions pauvres. C'est souvent un discours qu'on envoie.
En même temps, bon, on se pile sur le pied parce qu'en parlant de même, ben c'est pas très vendeur là, pour d'éventuels investisseurs ou de jeunes entrepreneurs. On est capable de démontrer qu'on peut faire valoir la petite entreprise aussi. Donc c'est un petit peu ça que j'aimerais avoir comme discours en tant que conseiller. Puis aussi l'attrait au niveau des familles. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de familles qui arrivent. Puis ce qu'ils veulent voir, c'est pas, on parle pas juste d'avoir une grosse usine en plein centre-ville, on parle d'un milieu de vie. Donc, faire valoir notre milieu de vie, travailler en cohésion avec la population puis les élus, je pense que c'est un rôle que je me donne. Puis, je m'entends bien avec tout le monde. En fond, je m'entends bien avec tous les élus qui sont déjà là, que ce soit au niveau de la direction, de la mairie. J'ai des bons contacts, fait que je veux travailler aussi pour une synergie au sein du conseil municipal pour enlever les problématiques de tirage de couverte. Puis, lui, j'y parle pas, des choses comme ça, fait que... Je pense pas que j'ai ce problème-là. Puis après avoir eu à visiter les gens, je trouve que les gens ont beaucoup de choses à faire valoir. Je mise beaucoup sur l'implication citoyenne aussi. On a déjà quelques petits projets en branle avec des citoyens qui s'impliquent dans des projets en collaboration avec la ville puis avec certains organismes. On a lancé aussi, d'ailleurs, en 2011, un café culturel qui a fonctionné pendant 2 ans et demi, dont 1 an et demi à temps plein, donc autant l'hiver que l'été. Puis on s'est rendu compte que Chandler, c'est un pôle d'attraction autant que Percé, puis que c'est juste que les gens le savaient pas. Fait qu'on on a fait la promotion là, d'activités artistiques, culturelles, d'ateliers. Beaucoup de gens ont connu Chandler avec ce projet-là, puis ils nous ont fait rendre compte que, tabarnouche, on a vraiment un pôle d'attraction intéressant, c'est juste qu'il s'agit juste de le faire valoir. Puis d'ailleurs, ça va bien, on est bien parti là. On voit que Chandler essaie de faire valoir ses attraits naturels, ses attraits récréo-touristiques. Il y a du travail à faire sur la 132 au centre. Pabot aussi, Pabot dans mon district, on parle de la zone scolaire, on parle du banc de Pabot. Rendre ça agréable autant pour les jeunes, le cyclisme, la sécurité aussi pour les personnes âgées. Puis d'ailleurs, pour les personnes âgées, il reste 30 secondes, là. Pour les personnes âgées, j'enseigne aux personnes âgées de 50 ans et plus. J'enseigne aussi aux jeunes, mais j'ai des élèves jusqu'à 84 ans. Puis laissez-moi vous dire qu'une population âgée, c'est pas péjoratif, c'est pas un poids. Au contraire, c'est un atout parce que les jeunes vieux que j'ai dans mes classes, ils ne cherchent qu'à entreprendre des projets et à s'impliquer. Donc, je vous demande de me faire confiance pour le 5 novembre prochain. Merci beaucoup et bonsoir. Alors, bonjour, je me présente Horace Blais Junior, mieux connu sous le nom de Pampouche pour beaucoup de gens. Je suis père de famille de 4 enfants et grand-père de 4 petits-enfants. Je suis veuf et retraité, donc j'ai beaucoup de temps à vous consacrer à ma communauté, aider chaque personne s'il y a lieu d'aider qui appartient à la ville de Chandler, c'est sûr. Les gens me connaissent, ils savent que je suis un gars d'équipe, prêt à travailler avec tout le monde, défendre les intérêts de ma place, autrement dit. Fait que je ne laisserai jamais personne tomber qui a voté pour moi ou qui a voté contre moi. Je serai toujours là pour tout le monde. Si je regarde vite fait dans mes affaires, c'est que je suis un gars moi-même de Saint-François. Vous me connaissez toute la gang. Fait que moi, j'ai pas les promesses, ben j'ai fait aucune promesse. Mes promesses, c'est les gens de mon quartier qui vont me les dire, puis je vais avancer avec eux autres. Puis j'étais un gars que si je vais voir quelqu'un, s'il a besoin de conseils, s'il a besoin de la municipalité, fait que je vais être là, je vais me rendre à la municipalité de Chandler moi-même, je vais rencontrer le maire ou la mairesse qui va être là, puis je vais me faire d'un... grand bonheur d'aller vous rencontrer chez vous pour vous dire c'est qu'est-ce que moi j'ai eu comme réponse pour vous. Ça fait que je suis pas un gars qui va laisser tomber de même. Vous me connaissez, j'ai été dans les sports assez longtemps, j'ai eu des équipes, j'ai été président dans des affaires. Puis tout a très bien marché, même que je partais dans des équipes qui valaient rien. Puis en dernier, on se battait pour n'importe quel rang des positions pour être compétitif avec tout le monde. Ça fait que vous me connaissez, je vous laisserai jamais tomber. Soyez-en sûrs qu'avec moi, ça va avancer, c'est sûr. Si la mairesse est là, que ce soit le maire, que vous savez, les deux qui se présentent, c'est Gilles contre Mme Langlois. Fait que ce soit un des deux qui se présente, je vais travailler avec les deux, c'est sûr. À une condition que mon quartier est bien représenté, je veux que j'ai un beau quartier moi aussi, que dans 4 ans que le monde peut dire au moins, t'as fait quelque chose pour nous autres. Puis ils peuvent me donner une autre chance de 4 ans.
Ça fait que donnez-moi cette chance. Vous allez voir, je ne vous laisserai jamais tomber. Puis, m'a dit que qui dit, vous savez, vous me connaissez vraiment. J'étais un gars du West, j'étais un gars qui a du cœur. Je suis parlable. Où est-ce que je vais vous voir? Je vous dirai salut de quel temps. Vous savez, je parle à tout le monde. J'étais un gars ouvert. Je suis prêt à parler de tous les problèmes. Bien, concernant la ville, c'est sûr, je peux pas faire quelque chose si ça représente pas à la ville de Chandler. Mais comme les gens de mon coin, de mon secteur à moi, j'étais un gars du Petit Ouest, Saint-François dans le Petit Ouest, ils m'ont demandé pour ouvrir la débouche au moins une fois par mois. C'est des affaires qui est facile à faire. C'est facile à demander, c'est facile à accepter pour la ville pareil, puis moi, ça fait mon affaire. Après cet été, il y a eu de la construction sur la route 132, puis combien de monde a emprunté la débouche pour passer par chez nous? Fait que la débouche te rough, mais il a passé pareil. Fait que moi, je demande de me donner la chance. Vous allez voir ce que je peux faire, puis au bout de 4 ans, Saint-François, il va être aussi propre. Si je donne ma place, je donnerai ma place, mais je donnerai pas ma place comme ça. J'étais un gars qui lâche pas le morceau. J'étais un gars d'équipe, puis je suis prêt à travailler avec n'importe quel conseiller du coin. J'y viens de Newport, de Pobomil, de Chandler, de Sadlaïde. Si sur mon côté, je suis sur son côté. Mais une condition qui m'aide à moi aussi. S'il m'aide, je suis prêt à aider. Mais s'il m'aide pas, je pourrai pas faire grand-chose pour lui moi non plus. À une condition, moi, mon quartier, c'est le numéro un. Je suis là pour vous représenter. Puis vous allez voir, vous ne serez pas dessus de moi si vous me donnez cette chance. Il y a des bons candidats. Vous avez votre choix. Ben moi, je vous demande de me donner ma chance. Donnez-moi la chance, puis vous allez voir que j'étais un gars d'équipe. Puis autant j'ai défendu mes équipes, que ce soit dans le baseball, que ce soit dans le hockey, dans n'importe quoi, j'ai toujours défendu mes équipes. C'était mon équipe. Alors, mon équipe aujourd'hui, c'est le quartier de Saint-François. Je vous laisserai jamais tomber. Ça, soyez-en sûrs. Alors, le 5 de novembre, donnez-moi cette chance, puis votez pour Horace Blais Junior dans le quartier de Saint-François. Merci.